Hey, salut à tous les amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, pour vous parler de la quatrième saison de Fortnite qui arrive très très bientôt le 27 août 2020 les gars. Nous avons déjà eu une première affiche du nouveau personnage, du nouveau thème de la quatrième saison qui sera pour thème Fortnite avec Marvel on va dire en association. Et les amis, hier nous avons eu deux nouveautés hier à 16h. Déjà, nous allons commencer au niveau, si vous allez dans l'onglet passe de combat les amis, vous avez la BD d'un comics assez spécial qui vient de sortir il y a pas longtemps les amis, qui peut nous annoncer le thème de la quatrième saison. On va lire ça ensemble les amis. Regardez, Asgard, cité des dieux, royaume de Thor, 2 semaines. Ok. Cela ne faisait que 2 semaines depuis que Thor, autrefois prince d'Asgard et dieu du tonnerre, avait été couronné roi de la cité d'or à la place de son père. Quand Galactus, le dévoreur de monde, s'écrasa sur son domaine, abattu à la recherche d'aide, il était roi depuis 2 semaines quand Galactus annonça la venue de l'hiver noir, la mort de toute chose. Regardez, nous avons Thor juste en dessous de la main de Galactus et mentionna 5 planètes spéciales qui, une fois consommées, donneraient à Galactus la force de repousser l'hiver pour empêcher ces ténèbres voraces de rencontrer le monde réel. Ainsi, 2 semaines après avoir hérité du trône de son père, Thor acquit un nouveau titre et devint le nouveau héros du tonnerre. Regardez les amis, ceci a été vu dans le comics Thor volume 1 qui est sorti cette année. C'est-à-dire c'est quelque chose de vraiment exclusif que nous aurons sur Epic Games. Et c'est vraiment une partie de la BD exclusive que nous pouvons regarder. Alors voici l'image complète de Thor. Quand on se demandait c'était qui le personnage caché sur le mot Fortnite, et bien c'est Thor, on va dire corrompu par Galactus. Nous aurons sans doute ce personnage dans le pass de combat. Ensuite, voilà la première couverture. Et ensuite, ensemble, Thor et Galactus découvrir l'une des 5 planètes. Et après que Thor eut évacué ses habitants grâce au Bifrost, le pont arc-en-ciel d'Asgard, Galactus absorba l'énergie de la planète, puis ils se mirent en quête des autres. Galactus et Thor en train de chercher une autre planète à dévorer. Puis au loin, dans l'interstice entre les secondes, quelque chose d'autre apparut au-delà des terres que nous connaissons. Là-bas, le pouvoir infini, son attraction est trop puissante. Si je m'en nourris, plus rien ne pourra, dit Galactus. Et Thor lui répond, Galactus, non. Galactus s'empressa d'aller directement à la faille qu'il a pu repérer les amis. Et il dit, je le veux, Galactus va s'en nourrir. Thor lui répondit, n'oublie pas Galant, nous avons une mission, tu ne peux pas. Vite, je dois les prévenir avant qu'ils les atteignent, je dois. Et Thor s'enfonça directement dans la faille, dans l'espace les amis. Alors, cela nous annonce les amis la suite de la saison de Fortnite, de la quatrième saison. Et je vais vous retrouver directement sur la map du jeu pour vous montrer de quelque chose assez intéressante. A tout de suite. Et les amis, on se retrouve directement sur la carte du jeu Fortnite. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu veux nous montrer d'intéressant? Eh bien regardez, je vais juste atterrir. Il faut que je trouve une petite arme les amis. Et une fois que je retrouverai mon arme que j'ai besoin pour vous montrer la chose, et bien vous allez me dire waouh. Et je vais vous montrer la chose que je voulais vous faire voir. Je me trouve directement à Frenzy Farm les amis, juste ici. Et à Frenzy, pour ceux qui ne savent pas, vous avez une faille qui vient d'apparaître les amis. Regardez la faille qui est juste ici. Et écoutez le petit bruit.
Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Alors, qu'est-ce que cela veut dire, cette faille? Tout simplement, les amis, je pense que cette faille sera l'arrivée de Thor qui est venu s'empresser nous annoncer l'arrivée de Galactus, le dévoreur de monde. Comme vous le savez, je vous ai montré l'histoire de la BD comme quoi Galactus veut manger, dévorer, pardon, les mondes qu'il trouve sur son chemin pour recouvrir ses pouvoirs, son énergie. Et Thor a vu la faille avec Galactus et Galactus s'est empressé pour venir directement sur l'île de Fortnite. Et Thor sera sans doute le premier arrivant de notre monde pour nous prévenir que Galactus s'empresse pour manger notre planète. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous dire par la suite? Peut-être, les amis, je dis bien peut-être, cela nous fera avoir une nouvelle map. Car si vous connaissez bien les BD, les amis, Galactus dévore toutes les planètes qu'il peut. C'est, on va dire, une entité cosmique assez puissante, géante, qui est quand même impossible à détruire. Et je pense que cela pourrait nous faire avoir une nouvelle map pour les prochains jours qui arrive. Nous aurons tout en détail le jour de l'événement, c'est-à-dire le 27 août, les amis. Je serai en live pour vous montrer tout ça, les nouveaux défis, les nouveaux passes de combat, les skins, tout ça, les amis. Je vous retrouve directement le 27 août, ensemble, en force, pour voir tout ça. Voilà, les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, la partager à vos amis. Et surtout, le plus important, c'est de vous abonner. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci les amis, merci.